Hier, il nous a fait des matchs. Il y a des matchs, il était un peu absent. Mais genre, il y a un match, il nous a mis un triplé. C'était un triplé, tu sais, c'est ce genre de match qui est très serré. Et il te faut un joueur. Il te faut un joueur, il te faut un joueur qui se surpasse. Et dans ce match-là, Lineker s'est surpassé. Bon, Neymar, il a tout fait dans les actions, mais on va rien dire, hein, mais voilà. il est pas hyper bon dans ses mouvements, tu vois, pour se retourner, pour les feintes de frappe et tout. Mais ça passe. Par contre, quand les serveurs sont claqués et que tu sens que tu joues contre un mec qui habite à Perpète-les-Oises, là, je le change direct, en fait. Je le change et je mets genre Salah en buteur. Ou alors Promesse. Les tactiques, les gars, c'est comme d'hab. J'ai rien changé. Hein. Depuis 2 semaines, je joue avec les mêmes tactiques. Je joue plus avec le 3-5-2 que le 4-2-3. Putain, Werner. Werner, il me casse un peu le cul quand je l'affronte. Ça, c'est la 88e. Il est en nuance, ce match, non? Bien joué, Lineker. Bon, Victor sur le fil, hein. J'ai pas très bien joué dans ce match. Putain. CR7. Geeks. Original. Keane. Ok. Bien vu. Putain, 45ème. Précédent match, 90ème, et là, 45ème. Enfin, j'ai pas fait exprès. Wouah, mais non, comment je peux rater ça? Oh, je suis mort. Heureusement qu'il l'a mal joué. Putain, heureusement qu'il a mal joué. Hein. Magnifique, magnifique. Bien joué à Jesus Corona. Lewandowski POTM. Elle est originale son équipe. Il a un Oula. Dédé bronze brésilien. C'est une Bundes avec Hulk, Paulinho. Voilà, relance, qu'est-ce que je fais? Vous savez ce qui s'est passé là? Je pouvais pas sélectionner Semedo en défense. Une relance et y'a but, putain. J'ai 3 occasions où je dois mettre au moins un but minimum et je les mets pas. Je fais de la merde. Ouais, bien joué. Je crame tout ce qu'il fait, mais bon, ouais, bien joué. Des malades. Ils vendent leur équipe 700K pour packer les man. C'est des ouf. Ah, si tu veux, ok. Fallait me le dire qu'il fallait tirer de loin, en fait. Ouais. Il a mis 4 buts en demi-temps. Ouais. Mais le premier but, il est un peu sur moi. J'ai mal relancé, et puis ensuite, il a marqué. Messi en rouge. Ça va. On va pas dire que t'es pas trop chanceux. Bien joué, Lineker. Non, t'es sérieux, Promesse? Ah, il est hors jeu, ok. J'ai rien à dire, c'est pas grave. Tranquille. Tu vas être une forme de toute façon la semaine prochaine. Non, recule pas comme ça! Oh, comment il la rate! Putain, heureusement qu'il la rate. Romagnoli, il fait du. Regarde! Retourne-toi, frère! Putain, pourquoi tu fais ça? Non. What? What?
What? Gardien, s'il te plaît. Heureusement qu'il a pas fait la passe à je sais pas qui était dans la surface. Hein. Roberto Carlos ou Nesta? Les deux, si tu peux. Mais plus Roberto Carlos quand même. Plus Roberto Carlos. Le poteau là, heureusement qu'il a mis le poteau. Hein. Heureusement surtout, il a pas fait la passe au mec qui était dans la surface. Intéressant de son équipe. Il a Gullit 86, mais il a... Ouais, un joueur argent. Je suppose qu'il va le changer. La défense, attention. Hein. C'est du lourd. En fait, c'est tellement facile de défendre sur les mecs qui ont 2 étoiles ou 3 étoiles en mauvais pied. Parce que moi, je peux pas tirer du pied droit avec Di Maria. Donc l'adversaire, il va se dire quoi? Il va se dire, ok, il a Di Maria, donc il va essayer de tirer du pied gauche. Donc c'est tellement simple. Je rate trop d'occasions. Je rate trop d'occasions quand je dois faire la passe. Je fais pas la passe. Quand je dois tirer, je tire pas. Ah, je vais mettre en 3-5-2. Bien joué à Lineker. Good luck, il m'a dit. Bonne chance à toi aussi. Ouais, Kluivert. Sinon, il a une équipe pas trop folle, hein, en vrai. Bizarre la team, hein, mais jamais prendre de haut les teams comme ça. Hein. Surtout quand on est proche du hors 1 ou des paliers et tout. Je crois que j'ai fait une passe de trop, mais c'est pas grave, ça rentre. Bien joué à Di Maria, on l'a vu bouger son gardien. Bien joué. J'ai mal défendu avec Romagnoli. Je peux pas sélectionner Militao, putain. Premier poteau. Putain, mais ça revient sur lui, arrêtez! Ouais, arrêtez, c'est quoi ces arrêts de ouf? Putain, moi, ils me font pas des arrêts de ouf comme ça, mes gardiens, bordel. Mais prends le ballon. Oh là là, ce match. Ce match, c'est une dinguerie. Ce match, c'est une dinguerie, putain. C'était sûr, gros. J'en étais sûr à 100%. Si je devais parier 100 euros, là, j'aurais parié sur ma défaite. Cette défaite, elle est tellement moche. On menait 2-0. Oh, cette défaite, elle est nulle. Mais c'était tellement inévitable. Je l'ai vu, gros. Je l'ai vu, mec. Oh, putain. On l'a tous vu, je pense. Pressing collectif, hier, j'étais en 3-5-2 tout le match. Il était reculé, le mec. Il faisait... Regarde le but que je mets. Regarde ses buts. On a le droit de critiquer le jeu des gens. Moi, il y a des mecs, ils aiment pas que je skill. Bah. Tant mieux. Ils vont pas rien dire. Ils ont le droit d'avoir un avis. Moi, j'ai le droit aussi de critiquer des mecs qui jouent en contre-attaque. Et en reculé, surtout. Les gens ont le droit de critiquer parce que je fais trop de gestes techniques ou quoi. Les gens ont le droit d'avoir un avis. C'est pas la fin du monde. Walker en rouge encore. Molida. Molida en SBC League. Intéressant. Ouais. Toujours bouger à premier poteau, les gars. J'aurais dû la mettre à Di Maria, putain. Bon, on va m'expliquer là pourquoi en fait Rashford il décide de tirer du pied gauche alors qu'il est droitier. Après là je me dis j'aurais peut-être dû la contrôler donc on va rien dire. Faites de dépasser, c'est bien. Vous voyez ce qui se passe là? Vous voyez ce qui se passe là, franchement, honnêtement. Merci à la promesse, il la touche en plus, Ter Stegen. Thank you.
Merci à Gueye. Putain, il a Di Maria aussi. Ah, par contre, lui, il a Messi. Neymar, Robertson. Il a Laurent Blanc aussi. Putain, je savais qu'il bougeait son gardien. Il a bien joué, là. Fais chier. Heureusement qu'on a Neymar, putain. Ah, j'ai bien bougé mon gardien. Wow, putain, t'es sérieux, gros? Enfin, le mec, il doit jouer sûrement un top 100, là. Nous, on joue le Elite. Calmez-vous un petit peu. Vous êtes relou, là, avec votre matchmaking de mort. Bien joué. Top 100 minimum, lui. Top 100 minimum. Bien joué, Adima. Je joue actuellement le 15e mondial. Lourd. Bien joué. Je suis en 3-5-2 moi aussi. Je suis un peu dans le dur. Bien joué, ça. Y'a rien du tout. Frère, j'ai tapé sur le ballon. C'est pas de ma faute si... Il va mettre un carton rouge, c'est sûr. Au moins, je touche que le ballon. Bien joué. Je vais le quitter, celui-là. Je peux pas le gagner. Frère, j'ai un rouge. Je joue contre le 15e mensuel ou je sais pas quoi. T'as cru que je vais perdre du temps. Je vais pas perdre mon temps et je vais surtout pas lui faire perdre du temps. Bon, dernier match du coup. On joue contre le genre de formation que j'aime pas du tout. Donc faudra rester concentré. Non mais Donnarumma t'as pas le droit par contre. Donnarumma t'as pas le droit. Merci Dima. Ça passe son gardien. Merci Neymar. Bien joué gros. Merci Neymar. En buteur gros. Qu'est-ce qu'il est fort. Bon, ça au moins c'est fait. Avec Romagnoli, je sais qu'il va... Enfin, dans ma tête, je sais qu'il va faire la passe à Aubameyang. Donc avec Romagnoli, je fais pas de pressing à Mbappé. Je me dis, d'ici, il va pas marquer. Et regardez, il frappe comme ça. Et ça passe du pied gauche. Donnarumma. Bon, en tout cas, il est 3. Merci Neymar. Merci Lineker, même si on t'a sorti et ça... Ça a changé un peu le match. Au moins, l'élite, il est là. Donc, c'est bien. En espérant que, du coup, il y ait la Best of Team of the Week la semaine prochaine. Avec le pack élite, ça peut faire du sale. Hein. Mais la semaine prochaine, promets, ça sera plus un petit joueur. Ça sera un gros joueur. Promets, on l'a depuis le début du jeu. Il a fait tous nos futurs champions. Tout en super sub aussi. Et là, il va enfin avoir une carte in-form. Eh, s'il a pas une carte in-form, les gars, on va tous au Canada. On va aller voir eSport. Ce qu'ils font là, ils ont mis l'icône de base pour vous faire cracher vos joueurs et vos crédits. Gardez tout pour le Black Friday. Ça se trouve, ils vont sortir des SBC super intéressants pendant le Black Friday. Et toi, juste parce que t'as niqué tes crédits et tes joueurs dans le SBC icône, bah tu vas dire, ah bah merde. Tu vois, là, il y a un petit, je sais pas, un petit Rashford dans SBC, bah j'aurais pu le faire. Bah non, tu peux pas maintenant parce que t'as fait le SBC icône. Donc faites attention, le mec. Lineker, on va dire qu'on a aimé, mais des fois, il est pas là et c'est dommage. Mais je vais remettre la faute sur mon style de jeu parce que j'ai un style de jeu assez technique et assez agressif. Je remets pas la faute sur lui, c'est juste parce qu'il me correspond pas, on va dire. Je me force à jouer avec lui parce qu'on l'a packé dans les 10 du jeton, là. Mais je remets pas la faute sur lui, je remets plus la faute sur mon style de jeu. Ouais, Romagnoli, très solide. Hein. Très solide, Romagnoli. Bon, en tout cas, bonne chance pour votre fin de fut champion. J'espère que vous allez pas trop rager. Faites comme moi, hein, remettez la faute sur vous quand il y a des trucs bizarres et tout. Je sais que c'est dur, mais moi, j'ai pas trouvé d'autres moyens pour ne pas m'énerver et rager. Et voilà, j'espère que ça va fonctionner pour vous. Et si vous ouvrez des packs, vos récompenses Clash Equipe ce soir ou quoi. Pareil sur YouTube, hein, si vous ouvrez des packs ou quoi. Bah, bonne chance, comme d'habitude. Et nous, de toute façon, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos et puis peut-être d'autres lives. Donc voilà. Passez une très très bonne soirée, les mecs. Et on se retrouve du coup très très bientôt. Ciao, ciao, les mecs.